Binary Fox. Binary Fox, c'était un groupe de Morlaix et j'avais reçu une démo 5 titres, tant qu'un CDR. Et c'est Thomas Lagaric, d'ailleurs, qui s'occupe d'Abstract Kilogramme, qui est aussi l'éditeur de Binary Fox, qui me l'a passé. Je trouvais ça vachement bien. Et comme je faisais M83 à l'UBU, je me suis dit, tiens, ben, je vais voir ce que donne Binary Fox sur scène. C'était intéressant, vraiment. Je trouvais ça un peu léger au début, et parce que la formation, ils étaient que 2 ou 3. Je crois que maintenant, ça s'est pas mal étoffé. Et donc, ça m'a bien plu, et j'ai trouvé surtout la production discographique étonnante, quoi. Donc voilà, c'est donc Binary Folk qu'on retrouvera le 8 décembre au Transmusical sur la scène du village. Derrière, je suis à la base du projet The Binary Fox, j'ai 27 ans et ça fait 2 ans que je fais de la musique. J'avais un autre projet qui était un projet techno et là c'était un projet où je voulais écrire des chansons, écrire de la vraie chanson quoi. Et ben alors à la base je travaille tout seul, je travaille donc chez moi dans mon petit home studio avec tout sur ordinateur, tout en numérique et puis je fais les arrangements au fur et à mesure des morceaux et ben voilà c'est ça le ce qui est bien dans la musique composée comme ça sur ordinateur, c'est que je suis maître de A à Z de l'orchestration quoi. Et bah je pense pas vraiment être un vrai groupe de folk ou de rock classique quoi. La partie électronique est aussi importante que la partie analogique, physique quoi, des instruments qui jouent. Et c'est aussi important, et dans mes morceaux qui sont sur disque, je pense la partie électronique est mise beaucoup plus en avant. Et par contre sur la scène, la partie rock vient beaucoup plus sur le devant, quoi.
Et donc il y a Sylvain, mon guitariste, que je connais depuis longtemps, avec qui on travaille régulièrement, donc c'était logique de le prendre comme guitariste. Et ensuite il m'a fallu une paire rythmique, donc Hervé et Marco, batterie et basse plutôt, et donc c'est Warp, le tourneur, qui nous a mis en contact, et puis ça a collé direct, donc ça s'est très bien passé. Nous, de notre côté, bon, déjà ça fait un petit moment qu'on joue ensemble, Marco et moi. Ouais, on se connaît assez bien. Ouais, donc rythmiquement ça va, quoi, ça colle depuis un petit moment. Et ce qui s'est passé, c'était par le biais de Joran qui travaille dans Wart, qui nous a parlé de ce projet cet été, et qui nous a fait écouter en fait le projet Binary Folk. Et, on était assez séduits par la démo, ouais, en fait. Ouais. Bah, moi déjà, ça me donne de l'assurance d'avoir trois musiciens derrière moi qui sont bons et qui vont faire, je sais qu'ils vont faire quelque chose de bien, quoi. Donc ça me donne de l'assurance en plus, et puis c'est sûr que le son est beaucoup plus imposant, et le live ça percute beaucoup plus, quoi. C'est pas seulement des ordinateurs qui font de la musique en tout numérique, quoi. Là, il y a des gens, ils voient physiquement le travail que moi j'ai fait en amont, qui peut paraître électronique, mais ils voient que c'est un vrai travail de composition, comme peut l'être un groupe de rock classique. Déjà sortir un disque, hein. C'est un peu ça l'objectif pour notre passage au trans. Et puis après, bah, toutes les choses qui en découlent, quoi. Une belle tournée, hein. Le champagne, les Ferrari, tout ça. Ça. Take my